Rebienvenue sur ma chaîne YouTube. On va prendre une pause de la petite série sur la Wii, puis on va faire revenir Namoureuse d'amour. Fait que aujourd'hui, on a une idée de projet un petit peu farfelu. Faire des lunettes, mais avec de la vraie force dedans. T'expliquais pourquoi? Ouais, ben on a fait changer ces verres de lunettes. Ces deux verres de lunettes dans ces lunettes parce qu'ils étaient scratchés. Mais on sait vraiment pas pourquoi. On sait même pas comment qu'elle a réussi à les scratcher. Puis quand on est allé les faire changer, ils nous ont laissé les deux vieux verres de lunettes dans un sac Ziploc. Fait que on va utiliser ces vieux verres de lunettes-là. Là, faut juste se demander, parce que tes yeux sont pas à la même force à gauche puis à droite. C'est lequel le gauche, c'est lequel le droit? Tu me fais faire sa vidéo pour faire la vaisselle, eh ben, je devrais peut-être faire des vidéos plus souvent. Surtout que j'ai rien dit. C'est elle qui l'a dit, on le garde au montage. C'est elle qui l'a dit. Tu subiras les conséquences de tes paroles. Puis ça ressemble à quoi jusqu'à date? Une branche de lunettes. Oui, une branche de lunettes en tape. Oh boy. Pourquoi une partie de moi veut juste genre le colorier une lens en rouge, l'autre lens en bleu, faire des lunettes 3D? C'est parce que si tu veux que je porte mes fausses lunettes, faudrait peut-être ne pas... Faudrait peut-être ne pas faire ça, ouais. Ah, je sais comment les identifier! Ça, c'est la droite. Ça, c'est la gauche. C'était à la droite que t'avais une scratch? Ouais, une grosse scratch. T'es grosse comment la scratch? Oh god! No shit que tu voulais les changer! Qu'est-ce que c'est ça? On voit que dalle là, mon gros. Mon gros. Oh. Mais c'est mieux que rien. C'est de la merde. Mais bon, vous êtes habitués, si vous êtes là depuis le début, à mes cadres de vidéos complètement dégueulasses. Pas de raison de continuer à les faire subir, mais bon. Je t'ai dit quoi à propos de me bâcher? Je te bâche pas, je fais juste des critiques constructives. Ça change que de... parce qu'on voit pas de différence. Je pense pas que c'est assez solide. Hey! C'est qui l'artiste? On n'est plus sûr que c'est totalement pas pareil. Ça devrait être bon. C'est la partie la plus intéressante parce que c'est cette partie-là qu'on va l'avoir galéré. Venez prendre note que j'ai pris un ancien papier qui était déjà taché parce que ça ne me tentait pas de scraper mes papiers que j'aurais pu utiliser pour faire du vrai or. C'est-à-dire pas des lunettes découpées dans du carton. Well, that's kind of bad. C'est toi qui m'as convaincu de faire un DIY que je savais que j'allais faire toute seule. Eh oui, mais si tu veux que je participe, fais-moi participer. Non, lave les lunettes. Ok. Y a-tu une lingette à alcool, pas bon? Ouais, dans le pot que... juste là-dedans. Là-dedans? Good. C'est pas une lingette à alcool, c'est une lingette sec. Hop. Il y a ce qu'on appelle le liquide avec. T'es pas obligé de tout le temps boire une lingette à alcool, ça s'appelle un liquide à lunettes très cher. Ça, c'était tout inclus quand ils t'ont changé tes verres. Ouais. Nice. New look, guys. New look. Non, je déconne. C'est pas, pas tout new look. Fais pas de la pub à new look si on vient d'avoir la tâche. Granger Bernier. Boulevard du Ménage. Je me demande si on commençait dans une grange. Sur la rue Bernier. De retour après ce 40 millionième cut. Le cosplay de Minions est en train d'être complété. C'est pas un cosplay de Minions, c'est des lunettes, mais c'est vrai que ça ressemble aux lunettes des Minions. Je te jure, si je me déguise en Minions, j'ai juste à foutre ça dans ma tronche. C'est sûr, en plus, si t'as de la force dedans, tu vas avoir de quoi.
Un bon petit esprit plateau. Après un bordel monumental effectué par une grosse pile de tape, qui est pas si grosse que ça, et la détermination qui descendait peu à peu de cette jolie petite patate, nous sommes venus à une conclusion. Voici le résultat final, je suis pas mal fière. Non, je déconne. Voici la merde monumentale. On dirait que je m'en vais être astronaute ou un truc dans le genre. C'est n'importe quoi. Ça tient un minimum, moi je m'attendais à ce que ça tienne 0%. Mais ça tient. Il voulait une lunette rouge puis une lunette bleue, donc j'ai fait de la merde. Seule critique, ça serait peut-être d'allonger. Peut-être d'allonger ça, I guess. Les branches. Donc, écoutez, si vous voulez devenir aviateur, contactez-moi. Oh, on fabrique des belles petites lunettes d'aviateur LED. Elles sont très belles. Ça va juste coûter environ 40 voire 50 piastres vu la shit de temps que j'ai pris là-dessus. Puis vu le nombre de retailles de tape. Donc ouais, voici nos lunettes d'aviateur. À savoir, je vous ai coupé beaucoup de souffrance au montage. Vous êtes maintenant prêt pour l'aventure avec 5 minutes craft. Parce que vous avez littéralement genre 5 minutes de vidéo. Mais de notre côté, ça a pris genre 1h30. Ouais. Fait que... Ouais, ben voici notre beau petit projet de merde. C'est dégueulasse. Écoute, ça tient. C'est dégueulasse. Je trouve un moyen pour que ça plie mieux, ça devrait pas être si pire. On a quelque chose, I guess. Ouais, on va dire quelque chose. Parce que des lunettes, je sais pas, mais quelque chose, oui. Hey, je vois dedans, non? Tu vois dedans, oui, il y a de la force. C'est n'importe quoi. Bye bye à une prochaine vidéo, en espérant que la prochaine vidéo, on fasse pas des horreurs monumentales comme ça. Aussi, comme quoi, même après cette vidéo, cette petite perfectionniste de service continue à essayer de trouver un moyen que les branches plient mieux. Ça fonctionne. J'ai pris un trombone, j'ai massacré la gueule. Puis c'est censé être droit, mais genre je l'ai planté là-dedans, je l'ai remis sur le top. Comme ça. Boum. Il y a une partie qui est... Let's go. Perfectionniste. Ciao et à une prochaine vidéo. Résultat final. Ça tient maintenant. Regarde-moi. Vive les trombones.